Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, présentation d'un travail réalisé sur un Classe G. Alors, plusieurs petites choses, puisque le véhicule était noir de base. Il est arrivé, il n'était pas trop propre. Bref, j'ai donc commencé par faire un filet de jante en rouge. Ensuite, poser une bande design en bas de caisse, gris alu. Un petit rappel des filets de jantes sur les rétroviseurs en rouge. Un traitement de vitrage à l'avant, donc avec une teinte de 30%. On fera le tour pour voir ce que ça donne de l'autre côté. Quoi d'autre? Oui, le covering de la roue arrière, du cache roue arrière. Donc le covering de cette partie-ci qui était chrome. Alors là, on a rendu très micro-rayé, mais c'est la protection en plastique qui est encore dessus, puisque le rendu ressemble plutôt à ça. Puisque cette pièce-ci était en gris alu et je l'ai recouverte en noir également, à gauche et à droite du pare-choc, bien sûr. Donc voilà ce que ça donne une fois que la petite plastif de protection est enlevée. Là, je ne l'ai pas encore fait, donc c'est pour ça qu'on voit ces micro-rayures. Donc même chose, hein, filet de jante, quoi d'autre? Les vitres teintées, donc c'est ce que je vous disais, 30% pardon, de TLV, transmission de lumière visible. Ah oui, une chose assez sympa également, c'est la protection de l'écran. Donc tout cet écran, je l'ai recouvert avec un film de protection vitrage sans micro. Et puis une dernière chose, alors c'est plus un test qu'une prestation parce que je n'ai toujours pas les produits de qualité qui ne sauraient tarder, n'est-ce pas Michael? Petit clin d'œil à Monsieur Verdonal de Poitou Adhésif. En ce qui concerne le teintage des feux, donc là je l'ai fait avec un film à pas cher on va dire pour faire le test, mais j'aimerais proposer cette prestation avec des films de qualité. Va couper les feux pour voir ce que ça donne. Alors il y a encore une ou deux petites bulles puisqu'effectivement je viens de le poser. Voilà ce que ça donne. En souhaitant que le projet vous ait plu, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, ça coûte pas cher et ça me fait plaisir. Bye.